bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam, est-ce que tu me vois? Comment ça se passe là-bas? Je ne suis pas surveillée. Je ne suis pas enchaînée. Je ne peux pourtant pas partir. Mais si tu continues à établir des connexions, si tu arrives à me trouver, on pourra rentrer dans l'Est. Rentrer chez nous. Je te remercie. Je suis sincère. Les choses vont mal. Il y a de moins en moins d'habitants dans les villes de nos jours. Plus personne ne veut fonder une famille. Mais les êtres humains ne sont pas faits pour vivre seuls. Ils sont faits pour se rassembler, pour s'aider les uns les autres. Et si nous, en tant que peuple, n'y parvenons pas, si nous n'arrivons pas à nous reconnecter, alors, c'est sûr, il arrivera ce que Bridget a dit. L'extinction. Arrête. Reconstruire l'Amérique ne nous débarrassera pas des échoués. Tant qu'ils seront là, on n'y échappera pas. Mais au moins, on aura de l'espoir. J'attendrai que tu viennes, Sam. Que tu viennes me chercher. Viens vite me retrouver. Sam, ici Hartman. Puisque vous êtes réveillé, ce serait une bonne idée de faire un brin de toilette. Du coup, ça ne vous dirait pas une petite douche ? Un bienfait pour le corps et l'âme. Et aussi pour mes recherches, à vrai dire. Cobayes qui ont le Dooms? Tout le monde chez Bridget. Mama et moi. Les résultats jusqu'ici ont été peu concluants. Mais vous, vous possédez d'autres qualités particulières en tant que rapatrié. Je dois bien avouer que je suis plutôt optimiste. Traitement des fluides. Des déchets. Du chiralium. Distribution. Prenez cet échantillon avec vous. Si jamais l'occasion se présente, essayez de l'utiliser sur un échoué. Je serais curieux de voir sa réaction. Qui sait, ça vous sera peut-être même utile. J'ai trouvé un vieil article scientifique qui détaille les effets des fluides corporels des gens comme nous sur les échoués. Ce n'est qu'en récupérant ces documents qu'on pourra exhumer les connaissances passées. Pas juste sur le Death Stranding, mais aussi sur les propriétés uniques de votre corps, et même sur le Dooms dont nous souffrons. Il reste peut-être un espoir pour l'humanité. Sam, je n'ai aucune envie de reconstruire l'Amérique. Moi, ce que je veux, c'est retrouver notre passé. Ah, c'est bientôt l'heure. Vous établissez vos connexions qui serviront à rien, et après? J'ai dit « et après !» Sam, désolé de vous ennuyer pendant votre pause, mais je me suis dit que ça vous intéresserait. Ça vous aidera peut-être même à vous détendre. Nous avons reçu un certain nombre de messages à votre intention.
Bien sûr, je ne les ai pas lus. Mais il me semble que la plupart viennent de vos clients. Regardez s'ils contiennent des informations utiles. Vous pouvez accéder à votre messagerie grâce à vos menottes, ou bien au terminal de votre chambre privée. Il y a autre chose dont je voulais vous parler. Le réseau Chiral nous donne la possibilité de reconquérir notre passé. Les données que l'on pensait perdues à jamais des quatre coins de l'Amérique peuvent être reconstituées à partir de documents fragmentés. Nos archives sont pour l'instant encore en chantier, évidemment. Mais à mesure que nous étendrons le réseau et intégrerons plus de stations et de villes, nous récupérerons de plus en plus d'informations. Comme les journaux et rapports d'expéditions précédentes, par exemple. Tout ce qu'elles ont envoyé a été perdu quand la ville relais centrale a été détruite. Mais nous avons déjà réussi à en récupérer une partie. Vous pouvez y accéder sur les terminaux des chambres privées, ou sur vos menottes. Il vous suffit de sélectionner Archives. C'est une lecture passionnante. On a reçu un appel de détresse du personnel du centre de Distrib. Consultez le terminal de livraison dès que vous serez prêt. S'il s'agisse d'une règle de conduite ou d'une simple habitude, les mules rapportent presque toujours chez elles les marchandises volées. Trouvez la boîte en question et récupérez les marchandises. C'est pas compliqué. Mais soyez prudent. Ces types sont armés. Si les choses dérapent, soyez prêts à vous battre.
Surtout, n'oubliez pas ça. Avant d'accéder au site de déchargement des bulles, pensez à utiliser le tour de quai pour vous assurer de l'emplacement de la boîte de stockage qui renferme nos marchandises. Les sites de déchargement des mules sont rarement désertés. La discrétion est donc essentielle. Avancez doucement et avec précaution pour minimiser le bruit. Marchandises et tirez-vous là.
jamais vous tombez sur des cartes mémoire en cours de route, pensez à les déposer à l'aide du terminal le plus proche. Qui sait quelles données rares et précieuses elles pourraient contenir. Votre contribution fera au moins un heureux, je vous le garantis. C'était l'IA qui s'occupait de tout. Les livraisons étaient effectuées par des véhicules et des drones autonomes. Tout ce qu'on avait à faire, c'était les regarder faire leur travail. C'était révolutionnaire, quasiment une singularité. Il n'y avait aucune raison que ça échoue. Pourtant, ça a été le cas. Les gens n'ont pas du tout apprécié qu'on s'occupe des facteurs humains de l'industrie du service. Alors, au bout du compte, on l'a réintégré. On a créé des boulots dont personne n'avait vraiment besoin, et on les a donnés à des gens qui ne pouvaient pas s'en passer. Après ça, ça a dégénéré. Aujourd'hui, on se farcit des détraqués accro à la livraison qui prennent leurs pieds en détournant des marchandises. Des rapaces toujours à l'affût du prochain porteur. Évitez-les comme la peste. Lancement du scan. Scan de l'identifiant plus. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Soyez prudents. Décontamination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Sam, vos chaussures, ça va? Je suppose qu'elles doivent être dans un sale état, étant donné les conditions à l'extérieur. Rien de tel pour vous gâcher la journée que des chaussures qui vous lâchent en pleine mission. Si vous continuez comme ça, il vous faudra pas bien longtemps avant de vous faire mal. J'ai fait en sorte qu'on ajoute des bottes à votre équipement. C'est le modèle standard de Bridges, elles devraient parfaitement vous aller. Vous devriez toujours en avoir une autre paire sur vous. Mais si vous oubliez ou vous retrouvez en difficulté, vous pouvez en fabriquer grâce aux terminaux équipant nos différentes installations. Félicitations, Sam. Il paraît que vous avez maintenant accès à une imprimante chirale. Un appareil incroyablement utile.
qui fonctionne uniquement grâce à la manière dont notre réseau exploite la grève, nous permettant de transférer un gigantesque volume de données instantanément. Puisqu'en temps normal, ce genre de transfert prendrait des heures, voire des jours, certains ont avancé que le réseau chiral serait, en substance, une machine à voyager dans le temps, qui transmettrait des données dans le passé. Il va sans dire que la nature profonde du réseau et de la grève, dont nous sommes aujourd'hui totalement dépendants, nous échappe encore. Notre rapport à la grève n'est pas sans rappeler celui des premiers hommes avec le feu. Est-elle utile? Certes. Est-elle dangereuse? Assurément. Mais néanmoins, nous avons décidé que le jeu en valait la chandelle. De plus, les échoués étant reliés à la grève, il va de soi qu'une étude et des expérimentations plus poussées pourraient se révéler très profitables. On pourrait dire la même chose de vous d'ailleurs. Ne vous en faites pas, je vous tiendrai au courant de ce que je découvre. Je vous en donne ma parole. Au travail, nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. On a ajouté les plans d'un pont à votre CCP. La première étape consiste à poser les fondations. Ensuite, vous devrez fournir des matériaux supplémentaires pour finir la construction. Vous savez, les cours d'eau et ravins qui auraient besoin d'un pont ne manquent pas. Quand vous en traverserez un que vous aurez bâti vous-même, vous verrez, un sentiment de fierté vous envahira. Tentez le coup.
Bravo, Vivre. Ce pont devrait faciliter la vie à beaucoup de gens. Vous pouvez être sûr que tous les voyageurs et porteurs qui passeront par là en feront bon usage. Ouvrez l'œil et vous trouverez d'autres endroits où un pont bien placé serait utile. Thank you.
C'était vraiment juste. Panique. Du moment que vous ne la faites pas tomber, son contenu ne devrait pas subir de dégâts. Et tant que la marchandise n'a rien, ça n'affectera pas votre évaluation. Faites seulement plus attention à partir de maintenant, et tout ira bien. Bonne chance.
Oh,
l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Merci. Grâce à cette unité, on devrait pouvoir alimenter le centre de district par le biais du réseau chiral. Et d'autres endroits aussi, si ça fonctionne. Espérons que les UCA pourront faire bon usage de notre électricité. Vous permettez que je regarde ? Incroyable ! Comment vous avez fait ? Vous savez voler ? Il ne nous manque plus qu'une connexion au réseau chiral. Allez-y. Du réseau est une ressource limitée et chaque nouvelle structure en consomme une partie. Mais en améliorant votre niveau de connexion, la bande passante dont vous disposez augmentera. Il est plus que temps qu'on s'y mette, nous aussi. Merci encore. Vous savez, j'ai appris que le reste de votre équipe avait été anéanti. Ça rend ce que vous faites encore plus impressionnant. Vous êtes une expédition à vous tout seul. J'espère qu'Amélie s'en sort aussi bien que vous. Je me demande si elle est déjà arrivée à la ville Relais Frontières. C'est elle qui nous a confié la ferme éolienne. J'étais avec le groupe qui fermait la marche pendant qu'Amélie l'ouvrait. Je ne l'ai jamais rencontrée en personne. Mais c'était un honneur de voyager avec elle. Quand vous la verrez, n'hésitez pas à lui répéter ce que j'ai dit. Sam, vous avez une minute? J'ai mené une expérience à partir de votre sang. Apparemment, vous étiez sur une piste. Après avoir dispersé un échantillon de votre sang sous forme d'aérosol en territoire échoué, on a remarqué une diminution de l'activité. Bien qu'il soit difficile d'en tirer des conclusions puisqu'on n'a pas d'autres rapatriés sous la main pour faire des tests supplémentaires, ça semble quand même indiquer que les fluides corporels des rapatriés soient des répulsifs à échouer. Mama a eu l'idée de concevoir une arme pour mettre cette théorie à l'épreuve. Le prototype devrait bientôt être prêt. Et quand ce sera le cas, on voudrait vous le faire essayer. Sam, c'est exactement ce qu'on attendait.
À présent, c'est presque toute la région qui est reliée au réseau Kiral. Il ne nous manque plus que la ville relais portuaire. Revenez à la capitale relais pour prendre du matériel de secours pour le relais portuaire. Le temps que vous arriviez, on sera en mesure de vous donner le prototype terminé en personne. Encore une chose, ce n'est pas très souvent que des porteurs se rendent à cette ferme éolienne. Tant que vous y êtes, vous devriez en profiter pour prendre les commandes en attente. Inutile de revenir ici les mains vides alors qu'il y a peut-être des marchandises à livrer. Vous devriez consulter le terminal. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Fait une croix dessus. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. En déposant vos matériaux en trop dans une installation, vous augmentez la quantité entreposée sur place. Et vous pourrez utiliser ces matériaux par la suite pour fabriquer de l'équipement. Mais surtout, n'oubliez pas, chaque installation possède ses propres réserves. Les quantités disponibles ne sont pas les mêmes partout. Ne vous emballez pas. Accepter des commandes ouvertes. Elles ne sont pas prioritaires comme celles que nous vous confions de façon nominative. Mais si vous allez déjà dans une certaine direction et qu'il vous reste de la place, autant en faire un peu plus, non? Ces commandes ne sont pas vitales pour la mission, mais elles comptent pour les personnes concernées. Alors faites quelques bonnes actions. Transport de matériaux. Si vous acceptez d'aider une installation à se réapprovisionner, en retour, on vous donne accès à plus de matériaux sur place. Comme ça, chacun y trouve son compte. Bravo, c'était du super boulot. La ferme éolienne que vous avez rattachée au réseau est essentielle à notre expansion. En guise de récompense, j'ai ajouté quelque chose à votre CCP. Une fonction générateur. Les générateurs rechargent les batteries de tous les appareils à proximité. Ce que j'entends par là, ce sont les machines, les motos et tous les véhicules qui fonctionnent sur batterie. Thank you.
voyage. Fin de l'interdiction des armes. Sam, je remarque que vous avez accepté plusieurs commandes en même temps. Si vous ne voyez pas dans quel ordre faire vos livraisons, ouvrez votre itinéraire avec vos menottes. Puis triez vos commandes actives en fonction de la distance qui les sépare de vous. Ça vous aidera à définir un itinéraire.
la prochaine. Au travail. Nouvelle commande disponible. Sam, si vous êtes d'attaque, allez donc au centre de distrib à l'ouest de la capitale relais pour accepter une commande destinée à la ville. Qui sait, vous en tirerez peut-être une récompense spéciale. Consultez le terminal sur place pour voir ce qui est disponible. Cette crête, à l'est du centre de distrib. Eh bien, à son sommet, il y a une usine désaffectée. On la croyait abandonnée, à tort. Il se trouve qu'on y a repéré des mules en train de s'installer dans les décombres. Il faut qu'on sache ce qui se trame là-bas, mais ça ne va pas être facile d'y entrer. Par chance, il y a quelques jours, nous les avons vus sortir de la marchandise du bâtiment et la préparer pour le transport. Si on arrive à saisir cette marchandise et à l'analyser, on pourra comprendre ce qu'ils manigancent. C'est là que vous intervenez. La marchandise qui nous intéresse se trouve près de l'entrée du bâtiment. Tout ce que vous avez à faire, c'est la prendre et la porter au centre de distrib. Comme d'habitude, nous privilégions la discrétion. Mais soyez quand même prêts à vous défendre, au cas où vous seriez repérés. Tâchez de bien vous préparer avant d'y aller. Vous allez devoir retrouver un livre volé. Un vieux livre, imprimé sur du papier comme on le faisait dans le temps. Un de ceux qui annonçaient le Death Stranding. Même avant que le monde ne s'écroule, la plupart des œuvres étaient uniquement éditées au format numérique. Les livres papier intacts sont rares de nos jours. Si j'ai bien compris, ce livre-là est une étude publiée par des chercheurs qui avaient apparemment prédit l'imminence d'un événement tel que le Death Stranding. Il a été volé avant d'être livré à Hartman. Par des mules, d'après le personnel de la station, au cas où vous ne l'auriez pas deviné. Pour elle, ce livre n'est rien de plus qu'une marchandise. Tandis que pour nous, il a une valeur inestimable. Vous devez le récupérer, au plus vite. Hey Sam, vous pourrez sûrement remettre cette bécane en route en la chargeant avec un générateur. Ça vous dit d'essayer ?
fin de l'interdiction des armes. Demande si on le garde. Sam, je déteste faire ça, mais j'ai une demande urgente pour vous. Ça n'a rien à voir avec notre mission d'extension du réseau, mais ça concerne quand même un sujet de la plus haute importance. Allez donc consulter le terminal du centre de distrib à l'ouest de la capitale Rennais. Vous y trouverez toutes les infos nécessaires. Ne traînez pas, Sam. C'est très important. Scan de l'identifiant Bridges. Fin de lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Toutes les armes resteront désactivées jusqu'au départ. Marchandise confirmée. Merci. Merci Sam. Je dois dire que vous êtes vraiment incroyable quand même.
Prenez toujours tellement soin de la marchandise. Merci pour tout. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Paramètres de livraison mis à jour. Temps limite enregistré. Désolé, Sam. Je ne vous autorise pas à bâtir une structure ici. Placez-vous plutôt en dehors de la zone de détection. Thank you.
batterie. Commencez par faire votre livraison, ensuite vous pourrez prendre d'autres commandes. Merci pour la livraison. Rapide comme l'éclair. J'ai quelque chose pour vous. Très bien. À la prochaine. Au travail. Nouvelle commande disponible. Ça. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Arborez-la fièrement. Ce chapeau est l'apanage des employés de Bridges qui ont dépassé les attentes. Vous n'avez qu'à aller dans votre chambre privée pour l'essayer. Sam, Mama vient de me prévenir que son arme anti-échouée était prête à être testée. Des prototypes seront donc ajoutés à votre prochaine cargaison. Une livraison de matériel de secours pour les habitants du relais portuaire. La ville relais portuaire est à bonne distance du territoire des échoués, mais les armes pourraient s'avérer utiles si jamais l'un d'entre eux s'approchait trop. De même, elles permettront aux habitants qui sortent parfois des limites de la ville de pouvoir se défendre. La cargaison comprend aussi un assortiment de médicaments, ainsi que des échantillons de sperme et d'ovules humains. Ces spécimens sont essentiels pour conserver une bonne diversité génétique. Ils ont été fournis par des civils vivant hors des centres démographiques majeurs. En tirant parti des propriétés temporelles du Kyralium, on peut garantir de les garder en état aussi longtemps qu'il le faudra. Une fois la cargaison traitée, connectez le Cupidon. Quand ce sera fait, la région tout entière fera partie intégrante du réseau Kyral.
Ensuite, vous prendrez la direction de la ville relais du lac. Donc votre cargaison comporte aussi du matériel de secours pour ce relais. Évidemment, pour l'atteindre, il vous faudra traverser le lac qui les sépare. Vous aurez plus d'infos dans une deuxième commande que vous accepterez sur place. Ce sera sans doute la plus longue course que vous aurez faite pour nous jusqu'ici. Vérifiez que vous avez tout ce qu'il vous faut. Nous apprécions beaucoup. Envie de dormir. Seul gros continent. Et ça, est-ce que tu sais ce que c'est? La Lune. Je t'emmènerai bientôt la voir en vrai. Je te le promets. Explorer le monde entier. Parcourir toutes les terres que l'homme a foulées. Y compris la Lune.